Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler accessibilité pour changer et on va parler thermomètre vocal. Hier, on a parlé de Lily, le thermomètre à 17,90€. Aujourd'hui, je vous parle de Lucy, le thermomètre à 19,90€. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On va tout de suite le déballer et voir ensemble comment le paramétrer. C'est parti les amis! Allez, on va tout de suite déballer Lucy, donc ce thermomètre qui coûte 19,90€, un thermomètre complètement vocalisé et vraiment très sympathique. Le déballage va être rapide, vous allez voir, on l'ouvre, on sort Lucy. Alors attention à ne pas confondre avec Lucy. Lucy, c'est moi qui va prendre ta température. Allez, si vous voulez vous amuser avec moi, si vous voulez vous éclater sur Vision Hightech, ça se passe sous la vidéo. Cliquez sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche. C'est parti. Alors, le package est assez succinct. On a donc la boîte. Une fois qu'on a enlevé notre thermomètre, le voici. Il est assez sympa. Alors, il est quand même plus flexible que Lily, celui que je vous ai présenté hier. Là, c'est vraiment de la flexibilité. Regardez-moi ici, c'est vraiment ultra flexible. Tout au bout, on a la sonde. Et ici, l'avantage avec Lucy, c'est qu'on a un bel écran, bien plus grand que Lily. Petite notice qui ne sera pas francisée, donc fiez-vous à ma vidéo. Je vous montre les deux écrans. À droite, vous avez Lily. À gauche, vous avez Lucy. Bizarre comme nom de thermomètre. Hein, la taille des écrans est vraiment différente. On a vraiment une plus grande taille d'écran côté Lucy, donc côté gauche. Le tout nouveau thermomètre que je vous présente. Côté flexibilité, ici, à droite, c'est flexible, mais pas trop forcé. Et à gauche, Lucy, c'est plutôt flexible. On peut le tordre dans tous les sens, ça rentre parfaitement bien. Donc c'est un thermomètre buccal sous les aisselles et pour le rectum sans problème. Pour les bébés par exemple, cette flexibilité va permettre de ne pas faire mal lorsque vous introduisez par exemple le thermomètre. Comme d'habitude, sur le côté droit du thermomètre, vous avez une un petit plastique enlevé pour libérer la pile et faire fonctionner le thermomètre. Alors Lucy, en plus d'être vocalisée et son grand écran, peut être vraiment utile pour les personnes aussi malvoyantes ou ayant des problèmes de difficulté, par exemple les seniors. Allez, je retire la petite languette. C'est enlevé, c'est parti. Donc avec Lucy, vous avez juste un tout petit bouton de marche arrêt sur le dessus du thermomètre. Il n'y a qu'un seul bouton. Donc ici, on va écouter. Voilà, donc quand on allume le thermomètre, il parle déjà en anglais. On va tout de suite le régler, les amis, c'est parti. Alors, il a vraiment ici des gros chiffres et ça, c'est plutôt sympa. Donc, on va l'éteindre. Lorsque vous entendez un bip comme ça, il s'est éteint. Comme pour le thermomètre que je vous ai présenté, le Lily, on va appuyer 8 secondes sur le bouton marche arrêt et on va pouvoir régler la langue. 5 langues, quand vous n'avez qu'un seul bouton. Vous arrivez sur 0,2, vous mettez sur 0,3. Veuillez modérer la température. Et 0,3 est la bonne langue. Vous êtes sur le français. Alors, vous n'avez pas US comme sur Lily. Vous avez des chiffres. Le 1, c'est US. Le 2, c'est espagnol. Et le 3, c'est français. Maintenant, il faut régler le Fahrenheit en Celsius. On éteint notre thermomètre. On va compter 10. On va compter 12 exactement.
Une fois que vous arrivez sur ces petits points, vous appuyez un petit coup sur le bouton marche arrêt et vous mettrez donc en Celsius. Alors pareil, lorsque vous voulez sauter de 1 à 2 à 3, une fois que vous êtes sur les chiffres, vous tapotez une fois sur le bouton jusqu'à arriver à 3. Une fois que vous avez réglé votre thermomètre, on va tester. Ça met 8 secondes. Votre température est de 36,6 degrés Celsius. Alors voilà ma température qui est à 36,6. Un peu plus de température qu'hier, Clément. Puisque Clément, il m'avait mis un message, un commentaire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez prendre la température dans la bouche, sous les aisselles, dans le rectum, sans problème. Ce qui est appréciable, c'est ce degré de flexibilité. Et par contre, ce qui n'est pas appréciable, c'est comme sur Lily, pour pouvoir paramétrer les langues et le Fahrenheit, c'est que malheureusement, si vous êtes une personne non-voyante, il faudra quand même quelqu'un de voyant qui vous règle le thermomètre. C'est ça que je trouve vraiment dommage. Alors par contre, vous pouvez éteindre la synthèse si vous n'en voulez pas. Vous appuyez à peu près 4-5 secondes. Vous voyez apparaître on. Vous appuyez un petit coup sur off. Une fois que ceci est fait, si vous l'éteignez ou l'allumez, vous coupez donc la synthèse vocale. Donc, il est accessible pour tout le monde, personne malvoyante, non-voyante, à part pour les réglages, mauvais petit point, mais pour le prix, 19,90€, c'est un bon petit prix, accessible. Donc, je remets la synthèse, j'éteins, j'appuie 5 secondes. On a off, j'appuie un petit coup, je mets sur on. J'attends que ça s'éteint, voilà. Et voilà, on est prêt à prendre la température. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, la grosse différence, c'est la taille de l'écran. Voilà donc, dites-moi ce que vous pensez de ces deux petits thermomètres accessibles. À droite, le Lily, à gauche, Lucie. Deux petits thermomètres, l'un à 17,90€, l'autre à 19,90€. Deux petits thermomètres très sympas, franchement, c'est d'actualité. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Vous trouverez les deux liens où trouver ces deux thermomètres. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao, ciao.